soko beta tema boko. Nazali na bomo na kati na Yesu mede ya somiga na makila na ye yoko ya masumu esila kinyoso likolo na ngomba na kologota ne bulusu likolo na ngomba na kologota ne bulusu uima aleluya oh oh mokozi Kikomona, kolona kembo,
Mon
Que son nom soit loué, glorifié à jamais. C'est lui qui mérite des louanges et des gloires.
En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Libanda na ye nzambe mosusu azalite. C'est lui le Dieu tout puissant. Yende nzambe nanguya nyoso. Le commencement et la fin. Ebandeli mpesuka. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tikete koleso Kristo apambola bino. Et je crois que nous sommes en paix. Nandimiete banso tozali na kimia. Nous allons nous tenir debout et prendre nos Bibles. To kuki kotelema to kamata ba Bible na biso. Ouvrez dans le livre de Matthieu 12. To fongola na mokana na Matayo mokapo ya zomi na mibale. Commençant par le verset 38 jusqu'au 42e verset. To bandi na nzela ya tuku misato na mwambe kino. Matthieu 12, 38 à 42. Matayo au capo, yazomi na mibale, tuku misatu na mwambe kino, tuku mine na mibale. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole. Na bongo moko, na bakomelipe, na bafarisai, azwaki maloba. Et dire, pe baloba ki boye. Maître, mulakisi. Nous voudrions te voir faire un miracle. Tozana posa tomona yoko sala bikamo. Il est répondu. Molakisi ayanoli bango. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Tala bango ekeke moko na kanza pene kobo bazoluka bamona bikamo. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Bango bakozwa bikamo seli moko te soki bobele kaka oyo ya bosakuli yona. Car poete de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre des grands poissons, lolenge moko yona asalaki butu misato pe mikolo misato na libumu ya mbisi monene. De même le fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, lolenge moko pe mwana moto akosala mikolo misato pe butu misato katsa libumu na mabele. Les hommes de Ninive se leveront. Patola niniwe bakotelema au jour du jugement. Namokolo nakosambisama avec cette génération et la condamneront. Elongo na eleko oyo pe bakokwisa yango parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Pwete bango babongola kimotema na litea na Yona. Et voici il y a ici plus que Jonas. Zoka botala ezali na moko azali waleki Yona. La reine de midi se levera. Mwasi mokonzi na mboka yangele akoitelema au jour du jugement. Na mokolo na kosambisama avec cette génération elle la condamnera. Elongola batu leko oyo pe akokweisa bango parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Pwete ye autaki kuna na suka la mabele pona kwa koyoka bwanya na Salomon. Et voici il y a ici plus que Salomon. Pe botala ezali na moko azali wa aleki Salomon. Seigneur Dieu tout puissant, kolonzambe na nguya nyonso, nous voici de nouveau devant ta présence. Tala biso susi boso bozali na yo. Te disant merci pour ton amour envers nous. Kolobaka lo matondi pona bolingono epa na biso. Merci pour ce beau matin que tu viens nous accorder. Matondi pona ngongo kitoko uchi ko pesa biso. Que ton nom soit loué, glorifié à jamais. Que te kobone kumi sa mekembi sa malibela na libela. Soit avec nous du début jusqu'à la fin. Ramène tes enfants qui sont encore en route. Et amène-nous tous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Guéris les malades. Délivre les captifs. Console les cœurs affligés. Et accorde la solution à ceux qui ont des problèmes. Nous abandonnons tous entre tes mains, Seigneur. Et toi, tu sois notre seul conducteur. Et nous ordonnons à tout esprit qui ne confesse pas ton nom de quitter cet endroit et d'aller dans le lieu aride au nom de Jésus. Et nous ordonnons à tout esprit qui Christ. Et que l'onction du Saint-Esprit puisse prendre la conduite de toutes choses. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Écarte-nous du chemin. Mais que toi tu parles à ton peuple. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Et que tout cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Christ. Amen. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de nouveau. Et qu'il ajoute ses bénédictions sur la lecture de sa parole. Amen. Amen. Nous appelons le frère Emmanuel et Mbonga Salem pour leur anniversaire. Emmanuel Nandeko Mbonga Salem pour la bokundo le mabuya motama na bango. Joyeux anniversaire, nos bien-aimés. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, Zambé, tata na biso na likolo, nous abandonnons tes enfants entre tes mains. Totiki bana na yo, na maboko na yo. Toi qui les as gardés protégés durant leurs années écoulées, que tu puisses les protéger aussi jusqu'à l'enlèvement. Obatela bango lisusu kino na koneto lama. Bénis le Seigneur Jésus-Christ. Pambola bango ko Yesu Christ. Protège-les contre tous les plans, toutes attaques du diable. Batela bango liboso bitumba nyonso na zabolo. Et tu puisses les fortifier là où ils avaient des imperfections. Opesa bango makasi singa bazalaki na botau. Surtout qu'ils marchent dans la crainte de la parole de Dieu. Et nous ordonnons à toute distraction du monde, à toute influence contraire à ta parole, et quitter leur corps et d'aller dans les lieux arides. Couvre-les sous ta nuée de gloire. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Protège-les contre toute attaque du diable. Et couvre-les sous ta nuée de gloire. Et tous les démons de maladie, tout esprit de tourment, soit éloigné d'eux au nom de Jésus. Protège-les. Accorde-leur bonne santé, longue vie. Et que ta paix leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Malamo. La fois dernière, il y a des gens qui sont allés se placer même là vers les arbres. Et pourtant, quand je regarde les gens, ils voient encore beaucoup de vides. Il faut classer les gens, ceux qui viennent en premier et qui se mettent là devant. Comme ça, celui qui viendra en retard peut se mettre là facilement. Ok. Ben, ce matin, nous avons préparé une petite chose intitulée La présence de Dieu non reconnue. Bon, c'est une prédication qui s'aligne sur les autres prédications que j'ai prêchées les jours passés. Oui, si vous observez dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il y a des choses dites là qui sont encore dans cette même prédication. Dans la prédication, la parole promise pour notre temps. Il y a des choses dites là qui sont encore dans cette même prédication. Ce sont des choses qui se succèdent. Alors Dieu m'a conduit de prendre cela. Et nous avons commencé cette prédication le jeudi. Je sais que c'était une grande bénédiction. Et aujourd'hui encore, ça sera une grande bénédiction. Amen. La
présence de Dieu non reconnue. Bosali na nzambe oyo bato baso solité. Le prophète dit que chaque fois que le surnaturel vient, Bosalabi tango nyoso soki bon nzambe eye, l'homme est toujours ignorant de cela. Moto tango nyoso azalaka kaka kidiba. Même quand Jésus s'est présenté chez les Grecs, atatango Yesu ayaki epala bayela. Ils ne l'ont même pas reconnu. Bango, basosola qui était. Il vient chez les pharisiens. Aïe, papa pharisien. Ils ne l'ont même pas connu. Bango, basosola qui était. Il passe chez les scribes. Aïe, pas la bakomeli. Les sacrificateurs. Et pas la banganganza. Et les autres. Peba mosusu. Tous ces gens-là ne reconnurent jamais Jésus-Christ. Batoana nyoso, basosola qui la banga gâte, Yesu azanani. Et pourtant, il était parmi eux. Zokazala qui la bangwe longo. Même devant les Grecs. Ateli bosola bayela. Même devant les scribes. Ateli bosola bakomeli. Quand il accomplissait le signe du Messie, tango Yesu azalaki kokokisela bona Messie, tous ces gens-là voyaient cela à leurs yeux. Bato nyonso bazalaki komona ngo liboso na bango. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que c'est lui le Messie qui devait venir. Kasi bakoki kososola te ete yende Messie asengelaki koya. Ils cherchaient encore voir un miracle. Bakobaki koluka lisusu bamona bikamwa. Mais quel miracle cherchez-vous? Siko bikamwa nini bosoluka? Eh, le miracle est devant vous là. Moi bikamwa sala bino wana. C'est lui qui accomplit le signe, le produit et le miracle. Parce que la Bible dit que quand le Messie devait venir, il devait accomplir ce signe-là pour que les gens puissent le comprendre facilement. Mais malgré tout ce que Jésus faisait, il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il rendait la vie aux aveugles. Les gens pouvaient regarder et voir, mais ils ne pouvaient pas comprendre la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est lui. La présence de Dieu non reconnue. Et c'est lui la parole promise pour notre temps. C'est lui le Dieu que les gens voulaient voir. Les Grecs, les scribes, c'est lui qu'ils cherchaient à voir. Mais il était parmi eux. Mais ils ne pouvaient pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans la simplicité. D'abord pour sa naissance. C'était une naissance bizarre. Les gens qui s'attendaient à voir Dieu naître dans des temples, naître dans des endroits publics, mais ils ont vu Jésus aller naître dans les tables. C'est ça qui les a confondus. Ils pouvaient dire, mais un Dieu ne peut pas naître dans de tels endroits. Mais Dieu aime la simplicité. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Il est dans la simplicité. Amen. Amen. Dans Dieu, sa naissance même, il est passé par la persécution à travers César Auguste, qui a organisé un recensement. Et ensuite, le roi Hérode va ordonner qu'on tue tous les premiers ou des les enfants de la première année ou deuxième année. Oui, qui est tous ces enfants-là? De l'âge d'un à deux ans. Et on a exécuté presque tous ses enfants. Mais lui a été sauvé. Parce que Dieu ne pouvait pas mourir. Il est venu dans ce monde pour accomplir quoi? Une tâche. Oui. Il est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Oui. Même chaque fois que Dieu envoie ses prophètes, les gens sont toujours irreconnaissants de ces gens-là. Des fois même, ils les tuent. Oui.
Mais Kasi. Les enfants de Dieu Bananzambe. Ont la facilité de reconnaître les serviteurs de Dieu. Ils ont la facilité de reconnaître la nature de Dieu. Pourquoi? Pour la nini? En eux, il y a une nature qui ressemble à cette nature de ces gens-là. Oui, si vous êtes né de nouveau, vous étiez prédestiné avant la fondation du monde. Avant que vous naissiez dans ce monde ici, Dieu a placé déjà la semence parole en vous. Et quand vous êtes venu dans ce monde, et que cette semence qui est en vous se rencontre avec la semence parole, alors ça crée quelque chose. Ça donne une vie quelque part. Amen. Amen. Ça donne une vie quelque part. Dans la prédication, la présence de Dieu non reconnue. Au paragraphe 12, c'est prêché le 18 juin 1964. Paragraphe 12. La raison pour laquelle ils n'acceptèrent pas Jésus, c'est parce qu'ils étaient en train de vivre dans l'éclat de la loi. Et quand Jésus est venu, il n'était pas contraire à la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Eh bien, il ne pouvait pas l'accepter parce que son message n'était pas exactement de la façon dont il avait rempli le credo. Et cela s'appelait des tradition. Il n'est pas venu conformément à leur tradition. Il n'a pas observé leur tradition. Et réellement, il les a bouleversés et les a mis en pièces. Il a fait des choses qui étaient contraires à leur tradition ou à leur pensée. Amen. Amen. Et il ne pouvait pas le recevoir à cause de son message. Et nous connaissons toujours tout aujourd'hui qu'il est venu exactement en ligne avec la prophétie divine. Mais il ne le savait pas. Pourquoi? Dieu ne leur avait pas donné la capacité de les comprendre. Malgré qu'il était parmi eux, il pouvait venir se tenir au milieu d'eux, prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais chaque fois qu'il les regardait, c'était une confusion totale dans leur cœur. C'était une confusion totale dans leur tête même. Il ne pouvait pas le voir et le comprendre parce que Jésus s'est voilé devant eux. Et eux-mêmes aussi étaient voilés. Mais en nous, Dieu nous a fait grâce d'enlever le voile qui couvrait nos yeux, d'enlever même le voile qui couvrait la face de Jésus. Et c'est là où nous pouvons le regarder et le comprendre que c'est lui le Messie qui devait venir. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui Emmanuel qui devait venir. Et c'est lui qui devrait délivrer la terre de l'esclavage de Satan. C'est pourquoi nous l'avons accepté. Quand Jésus s'est présenté même en Israël,
Ils l'ont traité de tout nom. Ils l'ont traité d'un Belzéboul. Ils l'ont traité d'un semeur de troubles. Et pourtant, c'est lui qui devait accorder la vie éternelle au peuple de Dieu. Oui. Mais les gens étaient dans l'ignorance totale. C'est ce qui se passe même aujourd'hui dans des églises. Dieu peut venir se présenter ici et faire accomplir de grandes choses. Mais cela passe beaucoup de gens à côté. Les gens sont dans des illusions. Ils sont dans des raisonnements. Ils ne voient pas comment Dieu accomplit sa promesse. Dieu ne peut jamais venir accomplir quelque chose si cet endroit-là n'est pas vraiment nécessaire. Oui, si cet endroit-là n'est pas préparé, si cet endroit-là n'attire pas sa présence, mais là où il y a des gens qui le croient, qui l'acceptent, il est obligé de venir communier avec eux. Vouloir ou pas, il viendra de sa manière. D'ailleurs, quand nous étions dans le monde, ce n'est pas nous qui étions partis chercher Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui est venu vers nous. Il est venu nous ramasser dans la boue. Il est venu nous faire sortir dans la saleté de ce monde. Est-ce qu'il vous connaissait avant la fondation du monde? Il savait que tel jour, un tel frère va se repentir. Il va prendre position pour sa parole. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Vous étiez connu de Dieu avant la fondation du monde. Et Dieu a placé sa semence en vous. Et c'est cette semence-là qui a fait que Dieu vienne vers vous. Oh, gloire à Jésus. La présence de Dieu non reconnue. Mais après que Jésus a manifesté le signe du Messie, d'autres gens cherchaient encore le signe. Ils ne l'ont même pas compris. Ils étaient des aveugles. Ils pouvaient regarder, mais ne pas comprendre. Ils cherchaient autre chose. Mais Jésus était parmi eux. Même maintenant que je vous parle, Jésus est aussi parmi nous ici. Oui. Mais il y a de ces gens-là qui continuent à raisonner. Que Dieu leur fasse grâce. Zamba yela bangoli sungi. Ah, au paragraphe 76 dit ceci. C'est là tout que ça m'a moto balobi boye. Nous les gens, biso batu, si nous pouvons seulement faire cela ce matin, soki tokoki kaka kosala mo la tonga lelo. Si nous pouvons seulement réaliser qu'il est en train de nous apparaître, soki kaka tokoko sa makoti ya koyeba te ye azali ko mona ne pa la biso. Dans ces réunions pour un but. Et ayé komi moni se pa la biso la liyanga ni on antina. Libérer nos désirs. Et te dina la ye ayé azali to bimisa ba posa la biso. Que nous avons en lui. Oyo biso tozana ngo pona ye. C'est pour nous. Et mais Kasi, nous devons reconnaître sa présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous sa présence? C'est quand la parole promise pour cet âge est rendue manifeste. Pas la parole promise de l'âge de Moïse ou de tout autre âge. C'est la promesse de la parole pour cet âge ici. La parole de l'époque de Moïse, c'était pour leur âge. Mais celle de cet âge ici, c'est pour chacun de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu peut apparaître ici? Oui. Il apparaît sous forme de l'onction. Il apparaît sous forme de la colonne de feu. Il peut apparaître sous forme d'un homme. Il peut apparaître sous forme d'un homme. Il vient se mettre à côté de vous. Pourquoi? Pour communier avec vous. Gloire à Jésus. C'est ce qu'il fait. Il continue à le faire.
Moïse. Et il le fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Il est le même hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Oh. La présence de Dieu non reconnue. Si il descend ici. C'est manifesté, c'est pour un but. Oui, pour que vous qui êtes distrait, vous qui ne le voyez pas, que vous puissiez le voir à travers cette onction-là, à travers la guérison, à travers la résurrection, à travers tout ce qu'il est en train d'accomplir. C'est ça les signes du Messie. Amen. Amen. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même plus. Parce que moi, je m'en vais au Père. Quelles sont ces œuvres-là? La guérison des maladies. La résurrection des gens. Oh. Les boîtes même marchent. Les aveugles voient. Oui. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il ne comprenait pas d'abord ce qu'il était. Il voulait quand même voir et comprendre. Il a dit à ses disciples, allez un peu voir cet homme-là. Lui poser la question. Si c'est lui qui devait venir. Si c'est lui le Messie qui devait venir. Ou que nous puissions attendre un homme. Une autre personne. Il a dit à ses disciples, vous qui êtes venus, mettez-vous là et observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à guérir les malades. Il a délivré les captifs. Il a rendu la vie aux aveugles. Les boîtiers ont marché. Les sourds ont parlé. Il a dit, ce que vous avez vu, ramenez cela à Jean-Baptiste. Et il saura ce que vous que Jésus. Oh, quand Jean-Baptiste a appris cela, il dira, oh, c'est lui le Messie qui devait venir. Moi, je dois diminuer. Que lui puisse croître. Oh, gloire à Jésus. Amen. Amen. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux, vous ne comprendrez absolument rien. Vous serez aveugle comme les Grecs. Vous serez avec les comme les scribes. Vous serez avec les comme les pharisiens. D'ailleurs, les pharisiens ne croyaient pas Jésus. C'était des incrédules. Des hypocrites. Amen. Amen. Si nous pouvons voir même ce genre de gens dans l'église, ce n'est pas étonnant. C'est quelque chose qui a commencé depuis là. Oui, ça a commencé depuis là. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. La parole nous montre que le plus grand don que Dieu a donné dans ce monde. Le plus grand don. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est un don que Dieu nous a donné. C'est pourquoi Jean 3:16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous qui êtes ici matin, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous ne mourrez point. Vous recevez la vie éternelle. Amen. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est lui. Il n'y a pas autre personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est le chemin. La personne destinée pour délivrer quoi? Le peuple. C'est lui. Et c'est lui qui était chargé à le payer le prix des rachats. Amen. Il dit ceci au paragraphe 119. Toujours la même prédication. Il voulait voir les signes de Moïse.
Ces Grecs-là se pharisaient les autres. Les signes de David. Cela n'était pas pour leur âge. C'était promis pour l'âge de Moïse. Et leur âge. La promesse pour cet âge doit s'accomplir. Il leur avait clairement montré que lui par les Écritures, et les avait invités à sonder les Écritures pour voir les jours dans lesquels ils vivaient. Moi aussi, je vous invite ce matin de sonder les Écritures pour voir ou connaître le temps que nous vivons. Et moi, je vous dis que nous sommes presque au temps de la fin. Toutes choses est arrivée à sa fin. Il n'y a plus de temps. S'il y a un temps, nous devons prendre position pour la parole. Ça doit être maintenant. Aujourd'hui même. Prenez position pour Christ. Quittez les choses du monde. Fuyez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Les péchés ne vous amènera nulle part. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, si nous venons ici, nous avons besoin de la vie éternelle. Nous voulons qu'un jour, là où sera Jésus, que nous y soyons aussi. Et pour aller là, il faut d'abord connaître sa présence et recevoir sa vie pour que vous puissiez devenir un avec lui. Amen. Donc, malgré que Jésus manifestait les signes du Messie, beaucoup l'ignoraient. Il est traité de tout nom. Mais il y a de ces gens-là qui Dieu a fait grâce. Comme la femme aux pertes de sang. Pouvait comprendre que c'est lui le Messie. Quand on lui disait, regardez votre rabbi qui passe là-bas. Il est un homme. Mais il veut se faire Christ. Il est là. Quand la femme aux pertes de sang a pris cela. Et là, couru. Elle a dit que si je vois cette personne, si je touche même son habit ou son corps, je serai guéri de cette perte de sang. Oui. Elle avait l'assurance. Parce qu'elle a quand même compris que c'est lui le Messie qui devait venir. Et quand le Messie sera là, il va accomplir ces choses. Quand la femme au Père Télésan est arrivée là, malgré qu'il y avait un grand nombre de gens, elle a faufilé sous les pieds des gens jusqu'à arriver là où se trouvait Jésus. Elle a tout simplement touché son corps et elle a quitté. Quelle foi! Une personne qui pouvait s'attendre à toucher seulement son corps et être guérie. Et sa foi lui a mené à recevoir sa guérison. Et c'est là où Jésus dira, quelqu'un m'a touché. Hier les gens diront, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent ici. Tu es au milieu d'une grande foule. Comment tu peux dire quelqu'un t'a touché? Mais Jésus connaissait qu'il y avait quelqu'un qui l'a touché d'une autre manière. Pourquoi? Et là, une vertu lui quittait. Il a senti une vertu lui quitter. Amen. Cette vertu-là, celle qui guérit les malades et qui affaiblit même les serviteurs de Dieu. Si vous faites sortir beaucoup de vertus, et à la fin de compte, vous verrez que l'homme est devenu faible. C'est ce que se faisait même avec notre prophète. Quand il va commencer à dire le discerner les pensées du cœur, avoir des visions, prier même pour les malades. À la fin de compte, il est affaibli. Amen. Les gens toujours
était aveugle. Bato ataba monaki boye kasi basalega komona te. Oui. Il y avait encore une personne qui a reconnu sa présence. C'est la femme prostituée. Oui. Quand on l'a attrapée, on l'a amenée chez le maître. Elle pensait qu'on allait la tuer. Les gens même s'attendaient à lapider. Mais le maître lui a libéré la vie. Celui qui n'a jamais commis le péché, il jette sa présence. Pierre. Et tout le monde était condamné. La femme prostituée qui a regardé Jésus dira, mais cet homme ici n'est pas un homme comme les autres. Amen. Amen. Même la femme là qui est allée quand même mettre le parfum sur les pieds de Jésus. Attends, moi, je suis allé la malade. C'était la femme prostituée. Oui. Elle entre là. Comme elle a reconnu la présence de Dieu. Elle est allée mettre d'abord commencer par pleurer sur ses jambes. Verser ses larmes. Et essuyer cela avec sa chevelure. Le pharisien Simon. Mon pharisien Simon. Il a mais. Si cet homme ici était un prophète, il devait connaître la personne qui touche ces gens. Jésus n'est pas venu dans ce monde ici pour les bons. Mais il est venu dans ce monde pour les mauvais les ramener. Il est venu prendre les pécheurs et les ramener. Les transformer pour que ces gens-là deviennent des chrétiens. Mais pharisien ne suis pas. Simon le pharisien ne comprenait pas. Simon la pharisien a il regardait, mais cet homme ici vraiment dans ma maison. Il laisse cette femme là entrer. Venir toucher ses pieds. Jésus était le Dieu tout puissant. Il pouvait discerner les pensées du cœur. Il pouvait voir ce que vous voulez là. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il est en train de faire même aujourd'hui. Oui. L'onction qu'il a déversé sur son peuple. C'est pourquoi vous voyez même quand vous consultez la maison de don. Les gens peuvent vous dire la vie que vous menez là. C'est que vous faites quelque part. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui peut faire cela. Mais c'est Dieu dans l'homme. Alléluia. Amen. Il nous a promis à la que dans les derniers jours, et Dieu va déverser sa puissance dans son église pour amener l'église à la purification totale. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en train de faire. Sa promesse ne faillit jamais. Sa promesse ne faillit jamais. Il y avait aussi un homme qui a reconnu ni Jésus. Et c'est la personne de Pierre. Quand Dieu lui a dit, et combien avez-vous péché pendant que vous avez passé la journée? Pierre lui dira, maître, nous avons passé toute la nuit ici sans rien attraper. Et le maître lui dira, entrons maintenant dans votre barque et avance à la mer. Quand ils sont arrivés là, vite compris que c'est lui le Messie qui devait venir. C'est la présence de Dieu maintenant parmi nous. C'est pourquoi il pouvait dire, maître, éloigne-toi de moi. Moi, je ne suis pas digne d'être à côté de vous. Je suis indigne. Je suis un pécheur. Amen. Qui lui a poussé de dire cela? C'est quand il a compris qu'il a vu vite compris la présence de Dieu. Oui. Il a compris que c'est lui le Messie. Pilate n'a pas compris cette personne. Pilate, même sa présence. Même les gens qui ont cloué Jésus n'ont pas compris la personne de Jésus-Christ. Tous ceux qui complotaient contre Jésus, ils ne l'ont pas compris. Mais à nous,
nous, Dieu nous a fait grâce d'ouvrir nos yeux, les voir et les comprendre. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a fait pour nous. Dans la prédication, les spectatives. Du 14 juillet 51. Paragraphe 34. Les prophètes disent ceci. Eh bien, Nabongo. Il est le même Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Azali Christ moko wana lobi leki lelope libela la libela. Ses puissances ne peuvent pas faillir. Banguya na ye ekoki kokoya soki mokete. Car il est Amen. Pointe ye azali nzambe. L'ordre divin de Dieu moko kouta nzambe sur la terre. Awana se. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Ezali boli mosantu lelo. Ah, qui est le même qu'il était. Azali lolege moko ndenga azalaka. Amen. Amen. Rejeter Jéhovah, kobwangi sa Yova, c'est passible d'une peine. Ezali pena esengeli moto azo etumbu. Avez-vous rejeté Jésus? Yo, et si on voit que ça y est, c'était passible d'une peine. Et c'est que là qui est tombé et pesama. Et rejeter ceci. Peko boaki sa oyoyo. Le Saint-Esprit. Molimo mo santo. C'est que les gens taxent du fanatisme. Oh, batu basali ko benga bilanda landa. C'est que les gens taxent du non-sens. Oyo batu baso benga ete zanga la motina. Il a dit. Alo bagi. Prononcez un seul mot contre cela. Koloba kaka liloba moko ma pepo na molimo mo santo. Ne sera jamais pardonné ni dans cet siècle ni dans les siècles à venir. Et kolimbi sa mate. Ezale le koyo. Ezale le koyo ya. C'est plus possible d'une peine que de rejeter le Saint-Esprit aujourd'hui. Par rapport à ce que cela était pour Jésus. Voyez, c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un peut-être se tenir là, danser d'une façon qui va faire des choses compliquées, il ne faut pas se moquer de lui. Si vous vous moquez du Saint-Esprit, il n'y a plus de sacrifices ni dans ce siècle, même dans le siècle à venir. C'est moquer de Jésus, il peut vous pardonner. C'est moquer de quelqu'un d'autre, mais vous pardonnez. Mais c'est moquer du Saint-Esprit. Il n'y a plus de sacrifice. Amen. Amen. Et si vous venez dire ici, ce qui yo yao, mais ce qui se passe dans cette église là, c'est du fanatisme. C'est du non-sens. Vous commencez à parler mal de ce qui se passe ici. Vous critiquez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il n'y aura pas de sacrifice pour vous. Amen. Il n'y aura pas de sacrifice. Ah, même dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Oui. Il n'y aura pas de pardon. Amen. Amen. Nous vivons un temps de l'apparition. Dieu peut apparaître et venir se mettre à côté de vous. Comme il apparaissait devant ces grands sacrificateurs, devant ces grands prophètes. Oui. Si vous pouvez le voir même des fois ici se tenir comme un ange. Mais c'est l'apparition. De la même manière qu'il est apparu à Oyo quand il parle les gens. Ah, pardon, les prophètes baptisaient les gens. C'est l'apparition. Oui. Mais un jour, il viendra dans sa chair, dans son corps de chair. Quand il viendra prendre l'épouse. Préparez-vous, frères et sœurs. Il n'y a plus de temps. L'heure est avancée. Aujourd'hui, les dénominations ont mis Jésus dehors. Dieu n'est plus dans leurs églises. Ils sont restés là avec des rites. Oui. Avec toutes sortes d'histoires qu'ils se fabriquent. Mais Dieu est dans son église. Dieu est parmi son peuple. Amen. Amen. Il est en train de faire la même chose maintenant. Sondez l'écriture. Vous qui croyez la Bible, qu'est-ce qui est supposé arriver? Et
Bible la kakete sengele sale masikoyo. Ah, juste ici avant sa venue. Oh, sengele sale malelo liboso boye inaye. Avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Liboso le boye inakole Yesu Christ. Il devait d'abord envoyer son esprit. Et sengele ketinda liboso bolimo na ye. Il chaque chien. Liboso le kola batubioso. Et c'est son esprit qui va préparer le peuple de Dieu pour le départ. Pe molimo na ye sengele lengele batupo na koneto lama. Il a dit. Alo baki. Je m'en vais vous préparer une place. Sakego boki salabino bisika. Je reviendrai vous prendre. Mais avant que je vienne, je vous enverrai le consolateur. Ce consolateur là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne avant. Préparer le peuple de Dieu afin que quand Jésus sera dans les airs, à partir de ce Saint-Esprit là, que vous puissiez monter et aller à sa rencontre. Sans Saint-Esprit, vous ne monterez jamais au ciel. Et vous ne ferez pas quelque chose de bien. La Bible dit, un homme qui est là sans Saint-Esprit, il est un homme animal. Il peut voler. Il peut se prostituer. Il peut critiquer. Il peut faire n'importe quoi. C'est un peuple sans frein. Mais la chose qui fait que les gens puissent se réserver, c'est l'Esprit de Dieu en eux. Quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous direz non. Ne faites pas cela. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Les gens n'arrivent même pas à comprendre la présence de Dieu parce que l'heure est arrivée où les gens là sont aveuglés par les soucis du monde et les autres soucis qui ne voient même pas Dieu. Oui, si une personne est remplie de soucis, il ne verra plus Dieu. Tout ce que vous pouvez lui dire, tout ce que vous pouvez lui prêcher, ça passe à côté parce que son cœur est rempli de beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Le mardi quand on priait ici, mardi, j'ai dit que beaucoup de gens ne reçoivent pas la solution de leurs problèmes parce qu'ils prient Dieu par l'expérience. Oui. Mais prier Dieu par la foi, c'est là où Dieu va injecter quelque chose dans votre cœur. À partir de la foi qui est en vous, cette foi là va attirer vos bénédictions. Mais quand vous savez que non, moi je sais prier, je sais comment on prie, vous n'aurez absolument rien. Amen. Amen. Et vous allez dire, mais depuis que je suis dans le message, il n'y a pas de bénédiction. Tous mes problèmes ne trouvent pas solution. C'est parce que toi, tu ne marches pas bien. Amen. Amen. Quiconque se confie à Christ et place sa confiance à Christ, Christ sera obligé de le bénir. Christ à côté de ma pambolaye. Je vous dis les choses vraies. Il sera obligé. Christ, c'est lui qui nous a tirés dans la boue de ce monde. C'est lui qui nous a fait ses enfants. Si nous les hommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lui qui est notre Dieu ne peut pas vous donner de bonnes choses. C'est votre incrédulité qui fait que vous ne soyez pas bénis. Répentez-vous, changez votre manière de faire et Christ reviendra de nouveau en vous. Amen. Amen. Je vous dis des choses vraies. Christ reviendra de nouveau vers vous.
Il ne change pas. Christ, bon, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il est en train de faire encore aujourd'hui. Il ne change pas. Christ, bon, il est Dieu. Et notre Dieu ne faillit jamais. Ni ses promesses ne faillissent jamais. S'il dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Amen. Sinon, il ne sera pas Dieu. Dans la prédication, allez dire à mes disciples. Ah, au paragraphe 189. Oui. Il dit que même quand il a rencontré les deux disciples sur le chemin de Maïs, oui, il marchait, il causait, il parlait de lui, et lui est venu se joindre à ces deux personnes. Oui, après il leur posera la question: mais de qui parlez-vous alors? Les deux disciples diront: vous êtes un étranger dans ce pays. Vous n'êtes pas de Jérusalem. Il pose la question à Jésus. Jésus les regarde comme ça. Pourquoi? C'est parce qu'il ne connaissait même pas la présence de Dieu. Et il ne le voyait même pas. Ils étaient aveuglés. Malgré qu'ils marchaient là, ils allaient sur le chemin de Maïs. Cet homme-là était un homme de bien. Il faisait beaucoup de bien. Guérissez les malades. Les aveugles voyaient. Passaient prières. Ils pardonnaient même les péchés des gens. Mais merci. Les sacrificateurs, les pharisiens, les escribes l'ont arrêté et ils l'ont livré selon leur dessein. Et ils ont crucifié Jésus. Ah, cet homme-là. Est-ce que nous aurons encore une telle personne? Jésus les observait. Il les regardait. Et les gens aveuglés. Ah, les gens aveuglés. Ah, c'était passé comme ça. Nous nous étonnons comment toi tu ne connais pas ces choses. Et quand ils sont arrivés quelque part, comme il faisait tard, ils ont pris le pain. Ils ont donné à Jésus de prier. La chose qui a enlevé leur voile, c'est quand Jésus a rompu le pain. Il a regardé au ciel. En les regardant, ils ont dit: mais quand nous avons pris la Sainte Seine, gloire à Jésus. Il doit être le Messie. Il doit être l'homme. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient ouverts. Et quand il voulait mener sa prochaine et toucher, il est porté disparu. Cet homme est mystique. Il vient nous apparaître ici. Ce qui est arrivé à cette époque-là, s'accomplissent encore aujourd'hui. Là où vous priez dans votre maison, là où vous priez même dans la forêt, là où vous priez même dans votre église, il peut vous apparaître. Comme il est à Paris, il est à Paris à ses deux disciples. Il peut venir même se mettre à côté de vous et vous regardant, écoutez ce que vous dites. Faites attention, frères et sœurs. Jésus-Christ aujourd'hui est l'omniprésent. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il est au milieu de son peuple. Même maintenant que je vous parle, il est à côté de vous là. Il peut écouter votre prière. Il peut écouter votre requête. Ouvrez-lui votre cœur. Il viendra vous. Et il se fera avec vous. Il ne change pas. Les disciples ne comprenaient rien.
marchait. Il marchait. Mais quand il a rompu le pain, quand il a brisé le pain, oh, c'est là où leurs yeux sont ouverts. C'est lui l'homme de Galilée. Il a pris un long moment avec nous. Oh, il a marché avec nous une longue distance. Mais comment on ne le comprenait pas? C'est parce que vous étiez aveuglés. Mais ce matin que nous sommes ici, vous qui êtes là, Dieu a enlevé le voile sur vos yeux. Le jour là, quand il a versé son sang, il a enlevé le voile qui couvrait nos yeux. Et maintenant, nous avons le pouvoir de le voir, de le comprendre, de le toucher, de le sentir. Même moi qui vous parle ici, je peux le sentir. Et maintenant il est ici. Maintenant il est ici. Il est capable. Et si on a l'église, voilà Jésus. Voilà Jésus Christ. Amen. Amen. À cette époque-là, Nelekoana, pour entrer dans les lieux saints, pour côté de Sigabo Saint, dans les lieux très saints, Nesiga l'équipe au Saint, qui est réservé aux sacrificateurs. Mais aujourd'hui, cet endroit-là est disponible à tout chrétien, à Christ News, né de nouveau, à Potemasika. Amen. Amen. Je vous donne la promesse. Je vous enverrai le consolateur. Et lui vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur, là, c'est la personne de Jésus-Christ. Il peut venir à vous sous forme d'esprit. Il peut venir vers vous sous forme d'un homme. Gloire à Jésus. Il peut entrer ici comme l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. C'est un homme. Il est un homme. Il se tiendra là. Un homme costaud. Il peut se vêtir d'une robe. Il peut entrer même au milieu de nous. Si vous ne faites pas attention, vous ratez les bénédictions. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Zambe, abongwadite. Il a dit les œuvres que j'ai accomplies. Zamba lwaki misalo ngai Yesu na sali. Vous le ferez aussi. Bino pebo kosalango. Alléluia. Ah, la semaine, les deux semaines ou trois semaines passées déjà. Je suis allé prier pour une membre de ma famille. J'entrais dans l'hôpital. Na côté de l'hôpital. J'ai prié. Na bondeli. Et après que je suis parti, si manangai kobima. La nuit, na butu. L'ange est entré là. L'ange à côté la chambre. L'ange est venu visiter le malade. L'ange à côté la mobile. Il a regardé la personne qui était morte. Zobela la passe. Passé. Ah, allez-y. De l'autre côté. Allez-y la gamme. Et pourtant les deux portes étaient fermées. Je vous dis des choses vraies. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri à cette époque-là. Il guérit encore aujourd'hui. Il a résisté les morts. Il résiste encore aujourd'hui. Amen. Amen. Il a choisi un peuple. Les gens à qui Dieu a donné la capacité de se tenir là et de le montrer. Elle est montrée. Elle est manifestée. Pour que les gens de ce monde voient que le même Jésus qui était à Galilée est avec les gens de Marie. Amen. 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 Il fait la même chose. Il ne change pas. Il a dit qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Il est avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Il est à côté de vous là. Il est à côté de vous. En train de vous observer. Qu'est-ce que vous pensez pour lui? Il est en train de vous regarder. Quel est votre souci? Il est en train de vous observer. Quelles sont vos pensées? Purifiez-vous. Et vous verrez la gloire de Shekinah descendre sur vous. Jésus ne change jamais. Il ne change jamais. À cette époque-là, il m'a marche avec le Pierre. Il marche avec le Paul. Il marche avec Philippe. Il est dans ses derniers jours. Il est dans son église. Il a dit que tout ce qui était en Dieu, alléluia,
Tout ce qui était en Dieu est déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ est déversé dans son église. Il est avec nous ici. Si vous ne le croyez pas, moi je le crois. Il est avec nous ici. Il est là à côté de vous. Il est en train d'agiter l'herbe. Il est en train d'agiter l'herbe. Il peut guérir vos maladies. Il peut délivrer les captifs. Il peut vous donner la paix. La paix que vous ne pouvez pas recevoir dans ce monde. C'est toujours l'homme de Galilée. Cet homme-là qui marchait avec Moïse. Moïse qui a vu son dos en sang. Oh, l'homme de Galilée. Ce matin, il est notre Dieu ici. 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 Il ne change jamais. Il est avec nous. Si vous pouvez le croire, il se fera un avec vous. Amen. Amen. Il se fera un avec vous. Oui. C'est vrai. C'était ce Dieu-là. Ou Moïse qui a délivré quoi le peuple? Oh, Moïse a cambo la kilibota. Oui. C'était ce même Dieu-là. Et c'est là qu'ils ont bémakoana. C'était Dieu à Moïse. Et c'est là qu'ils ont bémana quatre na Mose. Voyez. Bomoni. Ils ont réclamé le libérateur. Bango balela qu'ils ont bétin de la biso mo kangoli. Et quand Dieu leur avait envoyé le libérateur. Bango zambatin de la biso mo kangoli. Ils ont manqué le reconnaître. Basan na ki bakoki ya koso solaye. Parce que c'était par un homme. Mais ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans l'homme. Amen. Amen. Afin de libérer son peuple. D'ailleurs, Dieu ne peut plus descendre en tant que Dieu se présente ici. Il utilise toujours des hommes. Des hommes à qui Dieu a préparé lui-même. Qui peut le démontrer. Qui peut le manifester. Qui peut le faire voir aux gens. Amen. Amen. C'est Dieu-là. Parle même avec ces gens-là. Les mêmes paroles. Va. Je serai avec vous. Jusqu'à la fin de temps. Partout tu iras. J'irai avec toi. Est-ce que Dieu t'a déjà dit cela? Ah, croyez. Que les gens qui Dieu a dit cela. Ils sont là. Vous allez marcher ensemble avec eux. Alléluia. Vous allez marcher ensemble avec eux. Amen. Amen. La présence de Dieu non reconnue. Bon, c'est l'ensemble de ma solité. Il dit ceci. Zamba le biboy. Dans la prédication, l'ange de l'Éternel. Bon, ça va le biboy la lité à moi, je la Yahweh. Eh ben, alors bien bongo. Voici ce que je redoute. Bon, tel le camion gagne à quoi qu'on boit à thé. Ah, chers amis. Balingami. Ce que je redoute. Le camion manque la salle à moi la coboy à côté. Puisque cela s'est passé jadis. Pour tel le camion aussi à lequel qui cala. Cela aura à se passer ainsi. Le camion peut essayer de saler ma bongo. En effet. Na bongo. Quand notre maître, ou quand Moïse est arrivé, beaucoup ont rejeté Moïse. Parce qu'il était un homme. Quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus. Parce qu'il était un homme. Ils ont dit. Alléluia. Balobaki. Ils ont dit. Lui qui est un homme. Yewa salimoto. Il s'est fait égal à Dieu. Ami komisin zambe. Oh, Zoka. Il était Dieu manifesté dans la chair humaine. Azalaki nzambe. Oh, ami moni saki kate dans zoto moto. Il n'y aura donc jamais un homme comme lui sur la terre. Alléluia. Eko zala la moto mon côté lokola ye awala se. C'est vrai. Et c'est solo. Il n'y aura jamais un homme comme lui. Eko zala moto mon côté lokola ye. Mais kasi. Il a ordonné que certaines choses soient accomplies. Après ça qui nzela ete bakamo moko et salema. A qui? Da banani. A vous qui le croyez. La pino ba bon di maliye. Au revoir à Jésus. Oui, Io. Vous aurez la capacité d'accomplir les œuvres de Dieu. Et puis, il est parfois très difficile pour les gens de voir cela. Parce que c'est un homme qui l'a dit. Il a dit, j'accomplirai une œuvre dans les derniers jours. Même si un homme a rapport de nouvelles.
Ils ne croiront pas cela. C'est vrai. C'est l'écriture. Combien savent que c'est l'écriture? Quand même un homme en rapportera des nouvelles, beaucoup de gens ne croiront pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'autres même, c'est un sujet de critique. Suivre cet homme-là. N'allez pas là-bas. Bokele l'église à Marine. Il a divisé. Koutunzouz a divisé l'église. Divisé quoi? A divisé ni. Je n'ai rien divisé. A divisé le côté. C'est le peuple de Dieu qui vient croire là-bas. Même à l'époque de Jésus. On lui a dit cela. On a dit Jésus, si nous le laissons ici, il va continuer à diviser nos églises. La jalousie était où? Quand il accomplissait les signes, les prodiges, les miracles, ils avaient peur. Ils pensaient que si nous le laissons comme ça, beaucoup vont le suivre parce qu'il y a déjà l'attraction. C'est pendant le prophète dit que chacun aille prier là où il veut selon son choix, là où il se sentira à l'aise. C'est la même manière même que nous faisons le choix de l'épouse, que vous choisissez votre femme pour se marier. C'est de cette même manière que vous allez faire votre choix. L'église tabernacle là où vous prêchez. Le prophète a dit non, vous faites l'erreur que chacun aille prier selon son choix. Il aille prier là où on prêche la vérité comme moi je le prêche. Amen. Ils ont dit, mais nous ne pouvons pas envoyer les gens par-ci par-là. Batouni, est-ce que nous avons besoin de nous dire que l'église est en train de faire? Le frère Branham dira, mais si c'était mauvais, moi je ne pouvais pas envoyer trois quarts de mille de personnes que j'ai envoyées par-ci par-là. Le frère Branham a dit que l'église est en train de faire de l'église. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, ouais, j'ai des citations là. Amen. Amen. La présence de Dieu non reconnue. Tous ces gens-là qui sont jaloux des autres, c'est parce qu'en eux, il n'y a rien. Ils sont remplis de la haine. Remplis de la jalousie. La sorcellerie et la magie. C'est ça qui les pousse à faire les choses contraires à la parole de Dieu. Amen. Ils sont contre les gens à qui Dieu utilise. Oui. Ça a commencé depuis l'époque de Jésus. Les pharisiens disaient cela. Si nous laissons Jésus comme ça, il va diviser nos églises. Nous n'aurons plus de fidèles. Il faut chercher à les tuer. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Voire même dans des églises. Les sorciers sont assis là. En train d'attaquer. Malgré tout ce que Dieu est en train de faire. Mais ils sont aveuglés. C'est parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Ah, ils ne sont pas prédestinés. Mais les gens à qui Dieu a prédestiné la vie ne peuvent pas agir de cette manière. Là. Si vous voyez quelqu'un vous créer des problèmes, il n'est pas de Dieu. Il est de la semence Caïn. Amen. Amen. Oui. C'est comme ça qu'ils ont haï Jésus. Bon, quelqu'un qui vient leur apporter la vie. C'est un Belzéboul. Oh, ah. Lisons maintenant dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. Du 25 décembre 49. Il y a le 25 décembre 49. Paragraphe 61-62. Maintenant, ce matin, je parle de la divinité de Christ pour que vous sachiez qui est
Celui que nous adorons aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche ni dans ni de Père Noël. Tozali ko sambela mwa bébé moko boya botami kati na ndako ba nyamate to likama Père Noël. Mais nous adorons le Dieu tout puissant dans la divinité de son fils. Kasi tozali ko sambela nzambe na nguya nyoso kati na litondi na bonzambe ya mwana na ye. Et remarquez ensuite que ce sang descendu. Pe botala la sima ete makila wana ekitaki. Ce fils Christ Jésus. Et cela qui Christ Yesu. Et Dieu lui-même. Nzambe moko venant de l'esprit. Entra en Christ Jésus. Et la Bible dit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Vous qui étiez perdus. Moi qui étais perdu. Dieu nous a réconciliés. Afin que nous puissions retourner vers lui. Est-ce que c'est vrai? Ezali solo? Oui. Io. Amen. Amen. C'est vrai. Ezali solo. Dieu lui-même, Jéhovah. Nzambe yemoko Jéhovah. Vécu en Christ. Apikati afanda kikati na Christo. Et devint notre parent. Pe ayaki kokoma tata na biso. Parce qu'il était né dans la chair humaine. Pwete abotama kikati na nzoto la moto. Comme nous. Lokola biso. Est-ce vrai? Et ça solo église? Oui. Io. Les cellules de sang furent développées par Dieu. Binama la makila. Nzambele mutaboko la kiyango. Et les cellules de la chair furent développées dans le sein de Marie. Pe binama oya mosuni e boko la makikati na libumu na Maria. Qui donna naissance à l'enfant. Ye Maria ede ariko bota mwana. Et Dieu descendit et vécu dans la chair humaine. Pe nzamba kitaki bafanda kikati na nzoto la moto. Et il a été tenté de toutes les manières. Pe nzambe amekamaki na lolenge nyoso. Juste comme nous le sommes. Ndenge kaka biso pe tozali ko mekama. Croyez-vous cela? Bondimi yango bongo. Ah! Parce qu'il y a de ces gens-là. Oh frère, je suis beaucoup tenté. Pasteur, nengo moninga yanga pena ba tentation leki. Je tombe parce que j'ai beaucoup de tentations. Pasteur, tu n'as pas tout bela boy na zo poya.